Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Au féminin pluriel. La semaine dernière, nous célébrions la Journée internationale de la femme. Pour cette occasion, nous avons décidé de faire une émission un peu spéciale. Alors, dans un premier volet, nous retracerons l'historique de cette journée et nous verrons qu'est-ce qu'elle signifie en 1994. Dans un deuxième volet, Nancy Toutant est allée rencontrer pour nous les membres de la RESAF. Puis notre troisième volet se terminera sur un forum francophone sur la violence mis sur pied par le Conseil scolaire de langue française Ottawa-Carleton qui se déroulait le 8 mars dernier. Ma première invitée pour aujourd'hui est Mme Sylvie Saint-Pierre. Mme Saint-Pierre est agente d'équité en matière d'emploi au Conseil scolaire de langue française Ottawa-Carleton, section catholique. Bonjour et bienvenue à l'émission, Sylvie. Alors, Sylvie, cette année, on fête la 83e Journée de la femme qui est sous le thème « Égalité des femmes en route vers 1995 ». Bien, pourquoi encore en 1994 est-ce qu'on fête cette journée-là? Il y a encore plusieurs bonnes raisons, à mon avis. La première, c'est que je pense qu'on ne peut pas penser qu'on est rendu au stade où les femmes ont atteint les mêmes, l'égalité, mm-hmm. l'égalité des droits. Mais c'est une occasion surtout pour les femmes de se retrouver, pour réfléchir aux acquis, aux contributions des femmes dans la société et aussi un peu sur ce qui reste à faire et sur peut-être les moyens à prendre pour y arriver. Et tant qu'à moi, je pense que c'est une belle occasion de raviver la solidarité entre les femmes qui est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on se donne comme femmes au sein de la société, à quelque niveau que ce soit. Mais si on en est rendu là aujourd'hui, justement, c'est parce que des femmes ont pris les moyens qu'il y avait à prendre à ce moment-là. Pourrais-tu nous retracer un petit peu l'historique de cette journée du 8 mars? Le 8 mars, bon, c'est une date qui a été choisie suite à un événement qui était survenu. Les premiers 8 mars, là, dans plusieurs pays, mm-hmm. remontent à 1919. Mm-hmm. Et la date avait été choisie justement parce qu'un 8 mars, deux ans auparavant, en 1909, dans le cadre d'une grève d'ouvrières du textile mm-hmm. à New York, il y avait eu une grande manifestation où il y avait plus de 15 000 femmes. Et bon, elles revendiquaient moins d'heures de travail, elles revendiquaient salaire égal mm-hmm. et également le droit de vote. En passant, là. Mm-hmm. Et donc, il y avait eu une grosse activité, une grosse marche mm-hmm. cette journée-là. Donc, ils ont repris cette date-là pour fixer une journée où, à chaque année, on réfléchit sur le chemin à faire, le chemin parcouru, etc. Okay. Justement, lors de cette manifestation qui a eu lieu en 1909, c'est quand même une manifestation qui n'a pas fini pacifiquement, là. Il y a eu beaucoup de heurts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'histoire ne dit pas vraiment tous les détails. En tout cas, je ne suis pas au courant, mais oui, la police avait tenté de disperser la foule, de mettre fin à la manifestation. C'était probablement pas spécifique aux femmes, parce qu'il y a eu bien d'autres manifestations qu'on a essayé de contrer. Mais de toute façon, de tout temps, faire valoir les droits des femmes, ça n'a jamais été facile. C'est ça, c'est pas une oppression qui date de ce temps-là, c'est une oppression qui date de plus longtemps que ça. Oui, c'est une longue histoire. Pour faire ce cours, il y en a qui ont de la difficulté à comprendre encore aujourd'hui, des hommes et des femmes, de quoi on se plaint, entre guillemets. Mm-hmm. Je pense pas qu'on se plaigne, mais la question est à savoir d'où viennent ces inégalités-là, le mot-clé est là. Je pense qu'il faut remonter un petit peu pour comprendre. Donc, si on recule très, très, très loin dans le temps, l'unité économique, là, entre guillemets, c'était la famille. Il y a toujours eu des divisions entre les rôles, entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que parce que les hommes avaient une force physique supérieure, mm-hmm. les femmes avaient à mettre au monde les enfants, bon, etc. Sauf que toutes les tâches étaient réparties au sein de la famille et il n'y avait pas forcément des tâches qui avaient plus de valeur que d'autres, au niveau mm-hmm. social et pas au niveau économique, mm-hmm. puisque c'était une survie, c'était pas échangé sur mm-hmm. un marché, là. Il n'y avait pas de valeur marchande à ça. Sauf qu'avec l'industrialisation, les hommes ont commencé à aller travailler à l'extérieur et donc à aller chercher un salaire. Et là, donc,
tout ce travail-là a pris de la valeur. Alors, au fur et à mesure que les pouvoirs se développaient au sein de la société, bien, ils étaient associés, les pouvoirs au travail à l'extérieur, avec tous les hommes. Ce qui a de la valeur. Okay. Donc, travail payé à l'extérieur, travail rémunéré, équivaut donc à plus de pouvoir. Et le pendant de ça, c'est que les femmes étant confinées au foyer, parce que le rôle voulait qu'elles s'occupent des enfants, ça, c'était pas rémunéré, donc c'était moins reconnu. Alors, les droits d'un groupe s'accroissaient et... Au détriment de l'autre, là, finalement. Au détriment d'eux, ou en tout cas sans que le groupe des femmes soit parti dans le jeu en question au sein de la société. Elles étaient, on devrait plutôt dire, tout simplement absentes. Alors, le partage des pouvoirs, le partage des droits s'est fait sans qu'elles soient là. Elles n'étaient tout simplement pas des joueuses dans la partie. Alors, c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu d'où ça vient et pourquoi certaines femmes trouvent si important d'être, aujourd'hui, par exemple, d'être autonome au niveau économique. D'abord, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont soi-disant atteint cette égalité-là, mais ils trouvent le prix un peu lourd à payer. Oui, parce qu'il y a des changements, il y a des progrès, entre autres, même si on n'est pas encore, on ne peut pas parler d'accès égal à tous les emplois pour les femmes, on ne peut pas parler non plus d'équité salariale vraiment là, au plein sens du terme, mais il reste que oui, il y a eu des progrès au niveau de l'emploi, significatifs, mais comme vous dites, le prix à payer pour certaines femmes qui ont des enfants notamment, c'est que le partage... Ils se gagnent de haute lutte sur le terrain du marché de l'emploi, mais au niveau familial, au niveau privé, si vous voulez, le rythme n'est pas le même, ce qui fait qu'elles se ramassent avec une charge très considérable. Et parfois, ça demande si le prix à payer, là, le coût de cette autonomie-là et aussi de cet épanouissement-là en vaut la chandelle. Mais je pense que si on demandait à la plupart des femmes, c'est... si elle serait prête à renoncer, je parle là, vraiment à renoncer pour de bon, là. Si on leur demandait si elle était prête à renoncer à ça, je pense que la réponse serait non, parce que ça vous met en état de dépendance tellement grand face à un conjoint qui, on ne sait jamais... C'est aussi, c'est peut-être que si cette pression-là et les responsabilités sont lourdes à porter, c'est que l'égalité n'est peut-être pas nécessairement atteinte, et c'est un peu peut-être pour ça le thème de cette journée. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là. C'est toujours d'actualité. Je parlais d'autonomie. On dit que ce n'est pas juste qu'on peut se ramasser dans une situation avec un conjoint violent. Le conjoint peut décéder, peut avoir une séparation, peut avoir un divorce. Il y a plein de facteurs qui font que les femmes peuvent se retrouver chefs de famille. Et même sans enfants, je veux dire, comme personne, pour beaucoup, c'est important d'être autonome. Mais en terminant, Sylvie, je sais que tu trouves que cette journée-là est souvent rattachée. Elle a encore une étiquette très péjorative de rattachée à la journée qui est féministe. Bon, toi, est-ce que tu... comment tu trouves cette étiquette-là qu'on met encore à cette journée-là? Je sais qu'il y a une coloration, une connotation négative, voire péjorative de la part de certaines personnes. Parce qu'on identifie, je mets peut-être un féministe, automatiquement de la radicalité ou un rejet des hommes ou je ne sais trop, mais pour moi, c'est pas du tout ça, le féminisme, c'est tout simplement d'être, de croire que les femmes ont les mêmes droits, devraient avoir les mêmes droits, ou ont le droit d'avoir les mêmes droits, là, tu sais, et que, donc, c'est croire à cette égalité-là, au droit à cette égalité-là, et d'être prête à le dire, d'être prête à agir aussi modestement, soit-il, pour faire en sorte que ça arrive. Mais c'est solidairement que ça peut arriver. C'est pas seulement par nous. Une à une. C'est-à-dire, c'est chacune à sa façon, mais quand on met tout ça ensemble, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Alors, restez des nôtres et on vous revient dans quelques minutes. Myriam Bédard. Mademoiselle Bédard a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve du biathlon de 15 km aux Jeux olympiques de 1992 à Albertville. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'elle en était à sa première compétition olympique
et seulement à sa deuxième année au sein de l'équipe senior canadienne. Preuve additionnelle de son esprit indomptable et de son dévouement à la poursuite d'excellence, elle a remporté 2 médailles d'or aux Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer. Mademoiselle Bédard. Alors, je suis présentement au Centre culturel d'Orléans où les femmes du réseau Socio-Action Femmes francophones d'Ottawa-Carleton se sont réunies pour un dîner bénéfice. Un dîner bénéfice qui a pour titre « Femmes communiquent action ». Alors, c'est assez particulier. Les femmes sont ici pour communiquer et passer à l'action, évidemment. Alors, le thème le dit bien. Le dîner bénéfice aussi servira à recueillir des fonds pour la Maison d'amitié. C'est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants. Alors, pourquoi pas parler, avoir du plaisir et aider une bonne cause. Alors, j'ai parlé avec plusieurs femmes qui sont impliquées, dont une des coprésidentes du RESAF. Alors, on regarde les commentaires de tout le monde. Alors, je suis présentement en compagnie de Mme Denise Bellil, qui est cofondatrice et coprésidente du RESAF. J'aimerais savoir pourquoi justement avoir fondé un regroupement comme ça, un réseau de femmes. Parce que quand on s'est retrouvés sur le marché du travail, des collègues et moi, on a réalisé que finalement le réseautage n'existait pas, qu'on était toujours obligé de se chercher à qui on devait aller voir pour avoir des informations. Alors on a décidé que probablement que ce serait une bonne idée de créer nous-mêmes notre propre réseau. Alors d'une collègue à l'autre, on a commencé à se rencontrer pour manger, pour prendre des repas, discuter, puis avoir des repas, des soupers d'affaires, jusqu'au jour où on a réalisé que peut-être ce serait intéressant d'agrandir le cercle, d'aller chercher d'autres collègues, et puis peut-être inviter quelqu'un avec qui on pourrait discuter des problèmes de l'heure, surtout au niveau social, et puis s'intéresser un peu à ce qui se passait autour de nous, tant au niveau professionnel qu'au niveau politique, qu'au niveau social, etc. Et puis, de fil en aiguille, avec nos amis, nos collègues, on a créé le réseau Socio-Action des femmes francophones. Puis justement, qui peut faire partie du réseau? Le début, on a commencé avec des sociologues. Le noyau du réseau, nous sommes toutes sociologues. Puis, tranquillement, on a agrandi le réseau. C'est ça, l'idée du réseau. Alors, on a agrandi le réseau à toute femme professionnelle, femme qui s'intéressait aussi à tout ce qui était le milieu des affaires ou le milieu social, surtout. Alors, au début, bon, le RESAF, ça existe déjà depuis 4 ans, mais au début, il y avait combien de femmes qui faisaient partie du réseau et comment ça a commencé, tout ça? Bien, c'est intéressant. Ça a commencé, on était 4 amies. On avait étudié à l'Université d'Ottawa ensemble. On était toutes sociologues. Et puis, on se rencontrait pour savoir ce que l'une et l'autre faisaient dans leur milieu, dans son milieu propre, dans son milieu professionnel. Et puis, on a décidé d'agrandir ça parce que c'est assez de blabla. On a dit, bon, bien, on va inviter quelqu'un qui va nous arriver avec un sujet d'étude, un sujet de recherche, qui va venir nous parler de son travail. Et puis, on lui posera des questions. Ça fera une espèce de dîner-conférence. Et puis, de fil en aiguille, en invitant nos amis, nos collègues, on s'est ramassé à 200 membres. Ça fait beaucoup de monde, ça. Mais présentement, le RESAF, il y a 200 membres, mais c'est quoi le but? C'est quoi le mandat du RESAF? Attends que je regarde ça. Le mandat principal, c'était de créer un réseau. Ce qu'on voulait faire, c'est de se créer un réseau de femmes professionnelles qui s'est intéressée au monde social, surtout à la question sociale. On voulait... quand on avait besoin d'aide, quand on avait besoin d'informations, avoir des collègues qui faisaient partie du réseau, puis qu'on pouvait donner un coup de fil, puis dire, bien, écoute, j'ai besoin de ci, et puis j'ai besoin de ça, puis qui je devrais aller voir. Ça existe depuis toujours chez les hommes, le network. Alors, on trouvait que nous, en tant que femmes, on n'avait pas vraiment notre réseau. On trouvait que ça serait intéressant de se le créer, puis c'est comme ça qu'on a commencé. Là, aujourd'hui, vous êtes réunis pour un dîner bénéfice, comme on dit. Vous allez ramasser des fonds pour donner à qui, au juste?
Le dîner bénéfice cette année est pour la Maison d'amitié, qui est un refuge pour femmes violentées et leurs enfants, qui se situe à Vanier. C'était l'année internationale de la femme. Puis, comme thème, on a pris « Femmes communiquent action ». On a pensé que vraiment, souvent, la violence avait comme but primaire le manque de communication. Alors, ça serait très intéressant. On a pensé de faire comme super bénéfice cette année, d'abord avec le thème « Communique action », de prendre une maison pour les femmes violentées. Et puis, c'est à elles que va aller l'argent ce soir. C'est bien beau, on parle que le réseau, les femmes qui font partie du réseau se réunissent pour des soupers 4 fois par année. Mais c'est pas des soupers là, où on fait juste jaser et tout ça. Là, il y a quand même des conférencières qui vont vous parler de quoi plus particulièrement? Bon, ben de quoi? Cette année, au mois de septembre, on a parlé de la femme et la politique. Ça tombait bien avec les élections qui s'en venaient. Un peu plus tard, on a pris le thème, au mois de novembre, le thème du travail social. C'est-à-dire que le travail obligatoire pour les assistées sociales, ce qui était quand même un sujet qui était pas mal controversé. Alors, on a eu un débat pour et le contre, qui était vraiment très bien fait. Et puis, on est sorti de là sans être ni pour ni contre, mais au moins, on avait eu les points de vue de personnes qui étaient vraiment informées dans le domaine. Et puis, c'était très intéressant. On a eu vraiment un souper très intéressant. Et puis, finalement, le dernier était sur le contrat social. On voulait savoir quel était l'impact du contrat social sur la main-d'œuvre féminine. C'était le thème du troisième souper cette année. Si on parle du RESA, vous vous réunissez, il y a des beaux sujets, mais c'est quoi le but de tout ça? Sensibiliser les femmes à ce qui les entoure ou les réveiller, leur dire, bon, il faut faire encore des pressions, quelque chose comme ça, c'est quoi le but? Le but est surtout de conscientiser, oui, mais je pense qu'on est relativement consciente. Je pense que c'est de discuter, puis non seulement discuter, mais le but final est surtout de prendre action. Quand on dit le RESAF, là, le réseau socio-action, c'est que je pense que les gens en général parlent, et puis ne prennent pas action. Alors, si on ne prend pas action, bien, on n'arrive jamais nulle part. Et puis, notre but à nous est vraiment de prendre action et de prendre position sur des thèmes, sur des sujets, sur des problématiques, et puis de faire avancer les dossiers. Alors, je suis présentement accompagnée de Simone Thibault et de Diane Archambault qui travaillent toutes deux à la Maison d'amitié. J'aimerais savoir tout d'abord, Madame Thibault, la Maison d'amitié, c'est ouvert depuis quand exactement? C'est ouvert depuis 1976, alors ça fait plusieurs années déjà. Les portes se sont ouvertes par des femmes. Les femmes qui se sont mises ensemble et se sont dit qu'il y avait un besoin. Alors, depuis ça, on roule, puis on roule, c'est vrai. On héberge des femmes à 100% depuis ce temps-là. On n'a jamais un livre libre. Il y a tellement de demandes qu'on n'y arrive pas. Alors, la demande est là, on est là et on continue. Madame Archambault, le mandat de la Maison d'amitié, c'est quoi exactement? Bien, le mandat premier, c'est d'offrir des services aux femmes violentées, de les héberger. Donc, c'est une maison d'hébergement, la maison d'amitié. Donc, d'accueillir les femmes qui sont dans des situations de violence, qui doivent fuir leur domicile conjugal. J'aimerais savoir, justement, depuis 1976 que c'est ouvert, on évalue, donc, puisqu'on peut faire une moyenne par année, il y a combien de femmes qui peuvent passer à la maison d'amitié? Il y a toujours entre, si je compte les enfants avec ça, qui souvent la moitié de la population sont les enfants, il y a toujours entre 100 et 200 personnes qui passent à travers notre maison. Plus de personnes que ça pourrait passer à travers notre maison, sauf les femmes restent toujours de plus en plus longtemps dans notre maison à cause des manques de ressources de logement dans la communauté. Alors, elles passent chez nous, elles attendent leur logement. Alors, du fait qu'elles restent plus longtemps à cause de cette pénurie-là, ça veut dire qu'il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas y accéder. Alors, c'est pour ça que avant, on pourrait peut-être en avoir eu plus, mais là, il y en a de moins en moins à cause de la pénurie de logement dans la communauté. D'accord. Justement, Mme Archambault, on parle, il y a beaucoup de femmes qui passent, des femmes qui restent plus longtemps à cause de problèmes financiers. Mais le but de la Maison d'amitié, c'est d'aider les femmes à s'en sortir, pas vraiment au niveau financier, mais plus au niveau personnel. Oui, effectivement, c'est le but de la Maison d'amitié. On a aussi maintenant la Maison d'amitié. Pour s'en sortir, évidemment, il ne suffit pas d'aller à la Maison d'amitié. Là. C'est une première étape. C'est une étape quand on est en situation de crise, de situation d'urgence. Même si les femmes restent un peu plus longtemps, ce n'est pas en 1 mois, 2 mois ou peut-être 3 mois qu'elles vont pouvoir s'en sortir, si l'on veut. Donc, maintenant, on a un programme de suivi à la Maison d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui organise des activités pour les femmes une fois qu'elles ont quitté la Maison d'amitié pour
assurer justement un suivi à ces femmes-là et les aider à s'en sortir jusqu'au bout. Oui. Justement, organiser et entretenir une maison comme ça, faire rouler ça, ça coûte beaucoup de sous. D'où vient généralement les fonds pour faire rouler la maison d'amitié? OK. Il y a une grande partie qui vient du gouvernement. D'une part, le ministère des Services sociaux et communautaires. D'une autre part, la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. Et d'une autre partie, là, il y a le ministère du Logement qui nous aide avec l'entretien de la maison puis le loyer de la maison. Il y a une autre partie qui était importante aussi pour nous, c'est l'appui qu'on reçoit de la communauté, les dons, etc., puis qui devient encore de plus en plus important vu la réalité économique à ce moment-là. Alors, ça vient un peu partout. Alors, c'est grâce à la communauté puis au gouvernement en place qu'on puisse continuer. Puis justement, le souper bénéfice ou le dîner bénéfice du RESAF, tous les dons iront à vous. Combien on peut évaluer justement le montant d'argent que vous sera versé suite à ce dîner bénéfice? Je pense qu'on pense qu'il va y avoir en 2500 ou peut-être 3000 qui vont venir de ce genre de souper bénéfice. Et c'est ce genre d'événements-là qui sont importants pour nous. Et je pense que c'est même plus que juste l'événement, mais juste aussi le genre de réseautage qui se passe ici, puis les contacts qu'on peut y faire, puis les femmes qui vont nous connaître puis peut-être continuer à nous donner après cet événement ici. Oui, c'est ça. Vous allez vous faire des contacts. Puis il y a sûrement plusieurs femmes qui vont être ici, qui vont en venir à aider les femmes que vous hébergez. Que j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'autres organismes comme ça qui vont vous aider. OK, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sylvie Fréchette. Mademoiselle Fréchette a mérité la médaille d'or dans l'épreuve de nage synchronisée aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Elle vivait alors un terrible drame personnel. Par surcroît, à la suite d'une regrettable erreur de la part d'un juge, son droit à la médaille d'or est resté en balance pendant un certain temps. La dignité, le sang-froid, et la détermination tout à fait remarquable dont elle a alors fait preuve confère à son exploit un éclat et une portée qui vont bien au-delà de la simple réussite sportive. Mademoiselle Fréchette. C'est aussi important de souligner, je crois, que les études n'ont démontré aucun lien particulier entre la violence dans les couples de jeunes et le milieu socio-économique ou social ou les capacités académiques de ces jeunes-là. C'est le premier forum de langue française qui traite de la violence et qui a comme participants des parents, des élèves, des enseignants, des gens des agences communautaires. Enfin, toute la population de la région est invitée à participer à notre forum. Et qui sont les instigateurs de ce forum? C'est que nous avons reçu une subvention du ministère de l'Éducation qui nous a permis d'organiser le forum et d'inviter les participants du sud-est de l'Ontario. Et en quoi consiste exactement ce forum? Le forum traite surtout de la violence et comment contrer cette violence. Nous devons parler d'abord des facteurs qui contribuent à rendre un élève plus violent. Nous avons parlé aussi de la violence lors des fréquentations, du comportement agressif en salle de classe. Et la dernière, la plénière, parle surtout de solutions possibles, comme le partenariat. Quatre thèmes animeront ce forum. Exactement, c'est quoi ces thèmes? Comme je viens de t'énumérer, c'était les quatre grands thèmes. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de fournir des stratégies ou des outils aux participants pour leur permettre de retourner dans leur secteur et de contrer la violence. Puis, pourquoi avez-vous choisi ces termes-là? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Parce que ce sont les termes qui touchent de plus près la population étudiante, qui est vraiment la population qui intéresse un conseil scolaire. Et comme notre conseil scolaire de langue française à Ottawa-Carleton, la section catholique est celui qui a organisé le forum, nous voulions quand même parler de thèmes qui touchaient de proche les élèves. Que cherchez-vous à réaliser avec ce forum?
Ce qu'on cherchait, c'est de... Notre objectif premier, c'était de fournir aux différents secteurs de la région l'occasion de se rassembler. C'est pour ça que nous avons invité les conseils scolaires de tout le sud-est de l'Ontario à participer, leur fournir l'occasion de pouvoir faire un partage d'idées. Nous avons environ 28 agences communautaires qui ont fourni des kiosques. Donc, en plus des ateliers, les participants peuvent circuler, rencontrer les gens des différentes agences, partager, voir qu'est-ce qui peut se passer dans leurs écoles, avoir des nouvelles idées et se créer des partenariats. Est-ce que vous trouvez que les gens sont plus réceptifs à ces genres de forums qu'ils sont, disons, en 1990? Je pense que oui, parce que la violence est un problème qui préoccupe beaucoup de gens. Et tous ensemble, nous cherchons une solution. Nous espérons que ce spécial a su vous plaire et qu'à notre façon, on vous a donné des pistes de réflexion qui vous aideront, tout comme le veut cette journée, à ne pas oublier, mais aussi à ne pas vous en rappeler seulement qu'une journée par année, le 8 mars. Parce qu'avec le thème de cette année, « Égalité des femmes en route vers 1995 », c'est quelque chose qui se construit au fil des jours et avec tous les partenaires de la société. Merci d'avoir été là et à la prochaine.